Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question. Qu'est-ce que le fascia? Je vous en parle de plus en plus. On en parle aussi sur le net et un peu partout de plus en plus grâce entre autres à des émissions comme l'émission qui est passée sur Arte par exemple. Alors, avant toute chose, c'est un sujet super vaste. Donc, je ne saurais pas y répondre en une seule vidéo. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Deuxième chose, cette vidéo, comme dans toutes les vidéos que je vous fais, c'est une vidéo pour essayer vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre. Je ne vais donc pas prendre des mots super scientifiques. Je vais vraiment essayer que ce soit compréhensible et que vous tiltiez quand on parle de fascia. C'est parti. Le fascia est un tissu mou, un tissu conjonctif, constitué principalement de collagène, d'élastine et d'eau. Tissu conjonctif, ça veut dire quoi? Si on coupe le mot, on entend le jonction. En fait, ça va faire la jonction entre plein de choses dans notre corps. Alors, pour pouvoir vous imaginer ça, je vais prendre l'exemple de l'orange. Alors, sur mon orange, on peut voir une différente structure. On va dire que, ici, vous voyez, ici, l'épluchure, elle est plus dense. Ici, elle sera un peu plus souple. Ici, elle est plus souple. Et en fait, elle va avoir différentes, en fonction de son endroit et de sa fonction, elle va avoir différentes épaisseurs, différentes structures. Elle pourra aussi être très fine pour séparer les quartiers d'orange. Quand vous prenez un quartier d'orange, vous voyez qu'il est toujours bien lisse. Et vous avez votre petite peau qui est dessus. Alors, cette petite peau qui est sur le quartier d'orange tel que vous allez le manger, c'est vraiment comme la petite peau qu'on va avoir autour du muscle. Alors, c'est moins joli que sur une orange, mais c'est un peu comme si on imaginait un rôti, quand vous achetez un rôti éventuellement, vous avez une peau autour du rôti. Ça va être un petit peu comme cette petite peau ici, qui est donc un tissu conjonctif, d'accord? Donc, il joint tout à tout. Et si je séparais, donc ici, j'enlève l'épluchure, qui est donc un tissu plus épais. Je peux aussi enlever un quartier, qui sera lui entouré lui-même d'une membrane. Mais si je coupe chaque quartier, j'aurai aussi chaque cellule qui a une forme. Donc en fait, le tissu conjonctif, donc on va dire c'est comme son fascia, va lui donner aussi son apparence et sa forme. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, on va dire, dans cette manière de voir notre corps, c'est qu'en fait, le fascia va aussi donner la forme à notre corps et à nos muscles. Comme sur mon quartier d'orange, on va partir par exemple de cette membrane qui va entourer le muscle. Et en fait, elle va tout relier à tout, comme je l'ai dit, tissu conjonctif. Donc, cette membrane sur le muscle va se densifier, okay, pour pouvoir former le tendon, encore se densifier pour former l'articulation, et va même revenir comme ça autour de l'os. Et donc, tout est relié. D'ailleurs, maintenant, la nouvelle image, avant, on pensait plutôt que nous avions plein de muscles séparés. Maintenant, la nouvelle image pour pouvoir aborder justement l'anatomie, c'est plutôt comme si on avait un costume tout entier, un costume avec plein de poches dans lesquelles sont logés les muscles. On peut imaginer ce costume, quand vous enlevez, on va dire, en anatomie, si vous enlevez la peau du bonhomme, on voit qu'il a comme un petit costume blanc, comme la peau blanche sur le rôti dont je parlais, ok? Et en fait, ça, c'est ça notre costume. Comme si on avait aussi, par exemple, un pyjama, une pièce, tout est un costume avec des poches dans lesquelles sont logés les muscles. Alors avant, on enlevait cette peau, dissection, on trouvait que ce n'était pas utile, vu qu'on croyait que c'était juste des petites enveloppes sans intérêt. Maintenant, on se rend compte qu'elles ont beaucoup d'intérêt, parce que non seulement elles ont déterminé la forme du muscle, par exemple, ici je ne parle que de muscle pour le moment, mais en plus, elles sont bourrées de capteurs, par exemple, capteurs de sensibilité. C'est pour ça qu'on voit aussi de plus en plus que des douleurs de dos seraient dues au fascia plutôt qu'aux muscles, mais aussi des capteurs d'équilibre, etc., de sensibilité. Mais évidemment, il n'y en a pas que autour des muscles. Ça se loge aussi dans les cellules, comme je vous ai parlé pour les petites fibres de l'orange. Et il y en a partout. Par exemple aussi, du fascia viscéral. Il y en a aussi, par exemple, un qu'on connaît bien. C'est la plèvre autour des poumons qui va pouvoir accompagner, qui enveloppe les poumons. Peut-être aussi vous avez pu lire que le fascia était un nouvel organe. Alors il n'est pas nouveau parce qu'il y a apparemment de nouveautés là-dedans, ça fait déjà un petit moment qu'on en parle, mais c'est vrai que c'était un peu tombé en désuétude. Et puis depuis une dizaine d'années peut-être, on s'y repenche beaucoup plus et c'est un sujet qui évolue tout le temps. Donc c'est ça que non seulement je ne saurais pas tout faire en une vidéo, ensuite je suis très loin de tout connaître et ensuite il y a encore énormément de recherches qui se font. Je vous mettrai de toute façon des références en dessous. Mais je reviens à mon fascia qui est un organe. C'est un organe de
sensibilité et c'est un petit peu difficile de s'imaginer que c'est un organe parce qu'il n'est pas à un endroit précis. Comme on sait où est le cœur, le foie, etc. Lui, il est partout, il est diffus. Mais justement, il va vraiment passer des pieds jusqu'à la tête et donc il va vraiment être un organe très important dans le corps. On peut l'appeler aussi système facial. Moi, personnellement, j'aime bien le voir comme un responsable d'organisation et de communication. Donc, le responsable de communication d'une entreprise qui serait notre corps. Donc, à quoi ça va nous servir à nous de pouvoir prendre en compte notre fascia? C'est comme je vous l'ai dit, il est bourré de récepteurs. C'est comme si donc, vous aviez une entreprise et au lieu de travailler avec un autre bureau, ben, vous allez tout de suite vous adresser au responsable de communication qui connaît tous les bureaux, tous les secteurs et qui va pouvoir vous donner des informations beaucoup plus de manière globale. Vu qu'il est bourré de capteurs, il va nous donner beaucoup d'informations sur notre corps. Il va aussi pouvoir donner plus d'agilité, de mobilité. Il va nous rendre plastique et élastique. Alors, par rapport à la douleur, c'est très important aussi parce que vous voyez, quand on a une douleur un peu diffuse, qu'on ne sait pas trop ce qu'on a, parfois, c'est aussi parce que ce fascia, ce tissu, est un peu comme s'il était chiffonné. Et du coup, la communication, elle passe un petit peu moins bien. D'où l'intérêt de beaucoup bouger, d'avoir des mouvements et des différentes directions pour pouvoir justement lui remettre ses fibres correctement pour que l'information puisse passer à notre système nerveux. Et donc, du coup, on arrive à mieux localiser un petit peu le ressenti de son corps. En positif, comme par exemple pour l'agilité, la mobilité, mais en négatif aussi quand il s'agit plus de douleurs ou de désagréments. Il va donc amener la communication jusqu'à notre système nerveux. Et en quoi est-ce que, par exemple, c'est super important? Je vous donne un exemple très concret, par exemple, la raideur. On ne va pas savoir aller loin, on va se dire « Ah, j'ai les muscles qui sont un petit peu trop courts, il faut que j'allonge. » Alors qu'en fait, tout dépend de votre système nerveux. Ce sont les capteurs qui vont être dans le muscle et autour du muscle qui vont sentir que c'est un petit peu en danger. Oups, ils viennent dire au cerveau « Attention, si elle continue à tirer comme ça, moi je risque de claquer. » Du coup, il se raidit. C'est pour ça qu'en fait, au cours d'une même séance, vous allez bouger, vous mobiliser, peut-être un petit peu étirer, mais de manière douce. Votre système nerveux, il va juste relâcher comme ça cette peur qu'il avait, qui le figeait. Et donc, c'est pour ça, ce n'est pas en une séance ou en 5 minutes, en 10 minutes qu'on a allongé des fibres musculaires. C'est simplement qu'on a relâché ce fascia bourré de capteurs qui était un peu en alerte, un petit peu, il avait peur. On l'a relâché, il se dit « Ah ouais, ok, non, en fait, ce qu'elle fait là, ce n'est pas un danger, donc je laisse aller. » Voilà, j'ai terminé avec un exemple concret. Je vais vous donner d'autres, en sous la vidéo, je vais vous donner d'autres références parce qu'il y a beaucoup de références scientifiques comme par exemple en Italie avec Carla Stecco. Par exemple, il y a aussi beaucoup de bouquins. Le petit problème pour le moment que je trouve, moi qui ne suis pas super adepte de lecture scientifique, c'est que c'est souvent très lourd. Il n'y a pas énormément en français, mais il y a en français parce qu'il y a des grands chercheurs vraiment du fascia en France, comme par exemple Monsieur Gaberto. Et il y a de plus en plus de livres qui sont traduits en français et beaucoup plus de formations. Donc juste encore une petite chose que je vais redire, c'est que le fascia, prendre en compte le fascia dans la gym ou dans notre vie de tous les jours, ce n'est pas une histoire de mode. Ce n'est pas quelque chose non plus qui est nouveau. La danse, par exemple, utilise beaucoup le fascia. Mais pour utiliser le fascia, pour pouvoir vraiment améliorer sa structure et sa communication, il va falloir le stimuler de manière différente, par exemple avec une multidirectionnalité, du rebond, mais ça je vous en parlerai dans d'autres vidéos, je vous en ai déjà parlé. Pour pouvoir stimuler justement votre système facial dans votre sport, dans votre gym, je vous en reparle dans mes workshops. Je n'hésiterai pas non plus à partager avec vous des formations, des workshops, des événements que je trouve vraiment super à faire si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions sous la vidéo. Je me tais pour aujourd'hui, c'est terminé. N'hésitez donc pas à partager ma vidéo. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.